said that I am her lifeline, lifeline. If I lead and she does my die, my die. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé. J'ai pas fait de vlog ni rien en fait. J'ai rien fait depuis que je vous ai annoncé ce que j'avais mon hernie de la ligne blanche. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mes cheveux et bien sûr de mon hernie de la ligne blanche, mon opération etc. Puisque oui, il y a une opération. Donc je vais tout vous raconter. Donc en ce qui concerne mes cheveux, je les ai coupés. Je les avais là, maintenant je les ai là. J'ai enlevé plus de 10 cm je crois. Et oui, ça leur fait du bien, j'avais vraiment envie de les couper même ici, mais bon, j'ai dit non, ça va me faire trop un changement, un choc etc. Donc je sais pas si c'est déjà encore long, c'est bien hein. C'est pas là non plus, je les avais là, c'est une copine à moi qui me l'a fait, et ensuite je me suis fait une couleur par dessus, une couleur chocolat glacé de la marque L'Oréal Glossy je crois, c'est de la couleur glossy en fait qui s'en va au bout de 28 shampoings. Donc voilà, j'avais vraiment envie de changer, en plus je suis enfermée dans l'appartement donc c'est pas top, et j'avais vraiment envie de changer, d'être toujours en jogging, démaquillée etc. C'est pour ça que j'ai pas vlogué non plus. C'était horrible, enfin c'est toujours horrible puisque là je me suis motivée à filmer etc. Mais sinon j'avais pas du tout envie de filmer, je peux pas aller au sport donc ça me prend la tête, je peux pas aller au travail donc ça me prend la tête, je peux pas conduire donc ça me prend la tête, voilà tout simplement. Donc en ce qui concerne mon hernie de la ligne blanche, donc pour ceux qui ne le savent pas et pour ceux qui ont pensé que c'était dans le dos, c'est ici, j'ai une boule ici qui ressort et en fait c'est dû à ce que j'ai grossi les années passées, j'ai passé les 80 kilos donc en fait ça a un peu agrandi mon hernie qui est partie comme ça et qui s'est un peu révélée, mais je l'avais quand j'étais plus petite en fait. Mais le médecin avait dit que ça allait partir, mais non, ce n'est pas parti et c'est revenu quand j'ai grossi. Donc c'est un petit problème aussi pour prendre du poids parce que maintenant je suis interdite de grossir. Donc je pense qu'il faudra que je passe toute une batterie d'examens pour être enceinte ou un truc comme ça. Mais bon, c'est pas le sujet maintenant puisque c'est pas maintenant que j'ai envie d'avoir un enfant. Voilà, j'ai que 23 ans. Pour moi, je me considère encore comme une gamine, donc c'est pas maintenant que je vais avoir des enfants. Donc je suis allée au médecin, ça vous l'avez vu, et j'avais le rendez-vous à l'échographie lundi. Donc le lundi je suis allée à l'échographie, donc j'ai fait mon échographie et on a bien vu qu'il y avait une hernie assez conséquente qui écartait beaucoup mes abdos. Donc vous voyez les abdos comme ça, normalement ils sont comme ça parce qu'il y a la ligne blanche quand même qui est là. Moi ils sont carrément comme ça parce qu'il y a l'hernie qui fait comme ça. Je sais pas si vous comprenez, mais en tout cas elle sort comme ça en fait. Enfin, c'est complètement horrible. Et après il a regardé un petit peu partout si j'en avais pas une autre ou etc. Donc non, je n'en ai pas d'autre. Et bon, déjà celle-là, elle me casse un peu les bonbons, hein, j'ai envie de vous dire. Qui me gênait beaucoup pour faire du sport, pour tout, pour conduire. Même pour conduire, on fait les abdos, hein. Vous vous rendez compte? Enfin, je le sentais et là j'avais des gros pincements, des grosses pointes qui arrivaient dans l'hernie qui me donnaient tout de suite envie de vomir, tout de suite vraiment très très envie de vomir même, mal de crâne, enfin ça partait dans tous les sens, je croyais que j'allais tomber dans les pommes. Rien que de conduire très longtemps, par exemple 20 à 30 minutes c'est mort quoi, 5 minutes pour aller à l'hôpital ou pour aller à un rendez-vous ça va encore. Là c'était juste à côté, je prends tous mes rendez-vous à côté hein. La clinique est juste à côté de chez moi aussi, c'est très très bien pour quand je vais sortir de l'opération. Et donc je vais à mon médecin pour lui montrer l'échographie et elle me fait directement un mot pour aller voir une chirurgienne qui va me faire ça en clinique. Donc au début ma mère n'était pas trop voilà quoi, sauf que moi j'ai envie que ça soit rapide, j'ai pas envie de traîner ça et de pas aller au sport en fait. Moi c'est vraiment fixette sur le sport, j'ai vraiment envie d'aller au sport, je me suis remise à fond, c'est pas pour arrêter des mois et des mois, moi c'est pour être rapidement prise en charge, m'enlever cette merde du ventre et voilà, enfin qu'on me laisse tranquille et que je retourne au sport tranquillement avant d'aller en vacances ou quoi que ce soit. Pas envie d'attendre un mois encore pour aller me faire opérer. Donc ma chirurgienne m'a pris très rapidement, j'ai eu un rendez-vous le jeudi d'après. Donc là j'avais le lundi l'échographie, j'ai eu rendez-vous le jeudi avec elle à 9h45 et là elle m'a mis complètement en arrêt, elle m'a dit si vous faites trop d'efforts vous risquez une occlusion intestinale vu que vous allez douloureuse etc. Et moi faut savoir que moi j'ai énormément de mal à aller chez le médecin, avant non pas du tout, dès que j'avais un petit truc j'y allais, mais maintenant j'ai énormément de mal d'aller chez le médecin, j'ai peur d'avoir une mauvaise nouvelle ou un truc comme ça, comme là hein. J'ai envie de vous dire c'est une mauvaise nouvelle. J'avais très peur en fait et j'avais mal hein. Déjà j'avais la boule qui sortait, j'avais l'impression qu'elle explosait à chaque séance de sport hein. C'est comme ça, excusez-moi pour la luminosité hein. J'aime bien cet endroit et aujourd'hui il y a beaucoup de soleil, c'est très sombre avec mes cheveux qui sont un petit peu plus foncés etc. Donc je suis vraiment désolée. L'opération, je suis hyper
contente puisque elle est vendredi. Là, on est mardi, férié le 1er mai. Je suis opérée le 4 mai et je suis ravie. Tout s'est passé en 2 semaines. Je voulais que ce soit très rapide, etc. Et puis, elle m'a pris rapidement, en fait. Enfin, même de toute façon, elle a vu comment elle était. Elle m'a dit que fallait faire que ce soit rapide, quoi. De toute façon, j'ai des examens aussi au mois de juin, mon BTS blanc, etc. J'ai pas envie forcément de le rater à cause d'une hernie. Enfin, c'est... Voilà, ça me saoule. Il faut opérer vendredi 4 mai. À 7h30, je vais à la clinique. Voilà, donc je suis hyper contente, hein, bien sûr. Et elle m'a dit que j'aurais pas une grosse cicatrice ici. Donc ça, c'était mon pire cauchemar. J'en aurais des toutes petites en bas du ventre, peut-être sur les côtés, etc. Pour la caméra et les deux petites mains, elle m'a dit. Cicatrice de 1 cm que je vais avoir, il y en aura 3. Je suis hyper contente. Ils vont pas éventrer ici pour encore plus envenimer l'hernie, en fait. Donc ils sont obligés de faire quand même avec des petites cicatrices par-ci, par-là. Et je suis trop contente. Parce que les petites cicatrices, même si c'est des petites cicatrices, ça se voit beaucoup moins qu'une grande qui est ici. Même si ça se fait. Il y en a beaucoup qui m'ont envoyé de messages, beaucoup m'ont dit bon courage. Je pensais vraiment pas que j'allais être autant soutenue par ma communauté, par aussi des gens qui me suivaient, mais qui ne se montraient pas forcément, qui m'envoyaient plein de messages, enfin qui m'envoient plein de messages, plein de courage. C'est vrai que le moral il est pas non plus là, hein. Mais bon, j'ai juste hâte de me faire opérer pour être tranquille et pour retourner le plus rapidement possible au sport. Et bien sûr au travail, hein. Ça me fait clairement chier d'être enfermée chez moi. Voilà, là il n'y a aucun effort à faire puisque je me suis assise pour me maquiller, je m'assois pour filmer et je vais sûrement m'allonger pour faire le montage. Voilà, donc il n'y a pas d'effort. Heureusement, je peux encore être sur ma chaîne YouTube. J'ai pas besoin de conduire, enfin voilà, je peux faire une vidéo, me maquiller, etc. Je vais pas avoir une occlusion intestinale parce que je suis en train de me maquiller. Voilà. Je travaille dans le carrelage, donc moi je suis une personne qui s'en fout un peu de la douleur, donc je vais y aller et je vais aller porter les choses, voilà, je vais aller les porter quoi. Même si je sais ce que j'ai. C'était une petite vidéo pour vous donner des nouvelles parce qu'il y en a plein qui m'ont dit oui, dis-nous quand tu fais ton échographie, dis-nous pour ton opération, si tu te fais opérer, etc. etc. Donc maintenant vous savez tout. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Je pense que je vais faire des petites stories. Je vais vous dire ma douleur, etc. Enfin, je vais tout vous dire, hein. Vous êtes une partie un peu de ma vie, hein. Vous êtes ma communauté, donc que j'ai réussi à construire au fur et à mesure du temps, et j'en suis plus que ravie, et voilà, je me dois de vous montrer. Il y en a quelques-uns qui m'ont envoyé des messages comme quoi ils avaient eu une hernie de la ligne blanche et qu'on n'en parle pas beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui peut vous arrêter complet au niveau du sport, qui peut arriver quand vous grossissez beaucoup, quand vous avez un enfant, si vous avez eu ça quand vous étiez plus jeune, enfin voilà, il y a plein de symptômes pour lesquels ça peut revenir une hernie ou vraiment que vous fassiez opérer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bisous.